Salut à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté sur la chaîne, donc voilà, c'est l'occasion. Ça va revenir gentiment. J'avais pas mal de boulot ces derniers temps, pas mal de projets en cours. Donc voilà, on rattaque donc sur un petit concours sur cette vidéo, car la semaine dernière on a passé le cap des 800 abonnés. Je me suis dit qu'il était temps de faire un petit truc pour vous remercier. Donc voilà, ça va se passer gentiment. Avant le concours, je voudrais vous présenter un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment très pratique. Je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit de la warm-up. La warm-up, tout bêtement, c'est une boisson chaude que vous pouvez faire n'importe où. Sans réchaud, sans feu, sans rien. C'est une boisson auto-chauffante que vous mettez partout dans votre, enfin, que vous pouvez mettre dans votre voiture, dans votre sac, où vous voulez. Je lui ai trouvé pas mal de petites, comment dire, de petites fonctions. Donc, elle est constamment dans mes trois véhicules, donc enfin dans mes trois véhicules, dans celui de ma conjointe, dans le mien et dans mon véhicule professionnel. Ma copine les emmène en urbex, donc en exploration, tout ça. Elles font toujours sa petite warm-up. C'est toujours très pratique. Dans votre véhicule, vous êtes coincé un jour dans les bouchons en hiver, comme on sait le faire en Île-de-France. Vous êtes coincé à cause de la neige, vous dégainez ça et vous êtes tranquille. C'est vraiment pratique d'avoir quelque chose qui, voilà, ne nécessite aucun apport extérieur de matériel. C'est rapide, c'est pratique, non, c'est vraiment bien. Donc, nous allons passer à une petite démonstration tout de suite de la warm-up. Donc, c'est très simple. Pour la warm-up, vous avez une languette en dessous, une languette au-dessus. Vous ouvrez comme une boîte de conserve l'opercule du dessous. Ici, vous avez donc une réaction chimique qui se fait, excusez-moi, via, en fait, vous avez une pastille avec de l'oxyde de calcium et de l'eau tout bêtement. Donc, vous appuyez sur ce pastille, vous la cassez, et là, il y a une réaction qui se fait. Vous attendez tout bêtement 3 minutes, et au bout de 3 minutes, votre warm-up est chaude et prête à boire. C'est très simple, rien besoin de plus, rien besoin de moins, c'est vraiment très pratique. Voilà. Donc nous allons attendre 3 minutes. Donc voilà, les 3 minutes sont passées, on va pouvoir ouvrir notre warm-up et donc boire notre super breuvage chaud. C'est parfait. Voilà. Donc là, c'est une petite soupe veloutée de tomates. Pour les warm-up, vous avez plusieurs parfums. Vous avez donc velouté de tomates, velouté de légumes, cappuccino, café sucré, café non sucré, chocolat au lait, thé au citron. Vous avez pas mal en fait de choses. Donc voilà. On va pouvoir passer au concours après cette petite démonstration. Et je vous ai montré aussi les warm-up parce que bien sûr, vous allez pouvoir les gagner. Voilà. Donc, le concours. On va faire ça avec trois gagnants. Donc, le premier gagnant du concours va pouvoir remporter un hamac de chez Arès avec moustiquaire intégré. Donc, Arès, une marque où il n'y a plus vraiment à prouver ce qu'ils valent sur le marché. Je l'ai essayé, hein, je vous le cache pas. Je l'ai essayé une nuit pour voir ce qu'il valait vraiment. C'est pas mal, la moustiquaire fait bien le taf. C'est costaud. Donc, le premier lot, un hamac de chez Arès d'une valeur de 69 euros, il me semble que je l'ai payé. Voilà. Et j'offre avec ce hamac une warm-up avec le goût de votre choix. Voilà. Pour le deuxième lot, j'offre un petit kit de camping de 7 pièces, full inox. Vous avez déjà vu ce kit-là sur la vidéo des 5C, je vous en avais parlé. J'avais acheté une boîte en supplément, donc il est neuf dans l'emballage, il n'a jamais servi. Je vais vous le détailler tout de suite. Donc ça, c'est pour le deuxième gagnant. Donc, le kit se présente comme ceci. Donc vous avez une casserole avec un couvercle qui peut servir d'assiette, évidemment. Voilà. Vous avez un petit car en inox.
Vous avez un set de couverts, fourchette, couteau, cuillère, avec le petit clip de maintien, un décapsuleur intégré sur le couteau, une deuxième petite casserole, et c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième vainqueur. Et j'offre bien évidemment, et bien toujours, une petite warm-up avec ce deuxième lot. Hop, on met ça là. Et donc, pour le troisième, pour la personne qui arrivera donc troisième, je lui offrirai deux warm-up. Voilà, ce sera le petit lot de consolation pour le numéro 3. Ce sera deux warm-up, voilà. Alors, pour participer à ce concours, ça va être très très simple. Vous allez juste me marquer dans les commentaires « Je participe », d'accord ? Et me marquer avec ce petit commentaire « Je participe » le goût de la warm-up que vous voulez avec ou le goût des deux warm-up que vous voulez si vous arrivez troisième. Donc, vous mettez deux goûts qui vous intéresseraient dans la warm-up, sachant qu'il y a thé au citron, dans ce qu'elle que j'ai, hein, que je peux vous envoyer. J'ai thé au citron, velouté de tomates, velouté de légumes, café sucré, cappuccino et chocolat au lait. Voilà, ce sont les warm-up que j'ai en ma possession car c'est celle que je consomme et donc c'est celle que j'ai stockée. Voilà, voilà. Donc, allez-y. Donc, je vais clôturer le concours au dimanche 13 mars au soir. Voilà, donc par la suite, vous aurez les résultats donc, dans la semaine qui suivra, je pense. Donc, vous avez jusqu'au 13 mars dimanche pour mettre dans les commentaires « Je participe » avec les deux goûts de warm-up qui vous intéressent. Voilà, je voulais ajouter à cela donc, que j'ai des vidéos qui sont en préparation. La raison pour laquelle aussi je n'ai pas beaucoup posté dernièrement, c'est que j'avais pas mal de projets personnels, donc au niveau de la survie, du bivouac, tout ça que je mettais en place. Ça a bien avancé, donc je vais pouvoir vous présenter pas mal de choses en vidéo. Donc restez à l'affût pour les futures vidéos et pour les résultats du concours. Salut à tous !